Bienvenue dans votre mission 007 numéro 2. Donc, pour cette mission, on va rester sur le même principe pyramidal au niveau de l'entraînement, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, 10 et 8, 6, 4, 2. Au niveau des exercices, la variante, elle va se placer sur les combinaisons suivantes. Premier exercice avec le planche jack tap épaule. Alors, au niveau du placement, vous êtes positionné en planche. Donc, les mains sous les épaules, les jambes longues, fesses contractées, abdos serrés. Une planche jack, c'est lorsque vous ouvrez et que vous resserrez les jambes de l'extérieur vers l'intérieur. Un tap épaule, c'est lorsque vous touchez l'épaule opposée. Donc, on ouvre, on ouvre, on ouvre. OK ? Pour les options, les personnes qui n'arrivent pas à sauter ou à coordonner au niveau des exercices, voilà ce qu'on vous propose. Vous placez une diagonale en tap et l'autre diagonale, donc sur le bras opposé à la jambe qui se déplace, vous prenez appui, ok? Et pour les personnes qui ont du mal à mobiliser le haut du corps, bah vous travaillerez à ce moment-là uniquement avec le bas du corps sur des taps simples, côté, côté. Premier exercice, la planche jack tap épaule. Le deuxième exercice, c'est le squat à 180 degrés. Donc vous êtes placé, par exemple, face à l'écran, vous faites un squat en touchant le sol, vous tournez, vous refaites un squat. Vous tournez et vous refaites un squat. Vous tournez et vous refaites un squat. Pour les personnes qui n'arrivent pas à rebondir, là aussi, vous restez sur un squat de base sans ajouter le saut et la rotation à 180 degrés. Ça, c'est le deuxième exercice. Pour le troisième, on est sur un twist tuck, tuck jump. Twist tuck jump. Ça y est, je vais y arriver. Alors, sur vos pointes, vous sautez sur le côté, vous revenez de face. Et vous levez les genoux, puis de l'autre côté, de face, et on lève les genoux. Donc, côté, genou. Là aussi, pour minimiser les impacts, ce que vous pouvez faire, c'est une rotation et une flexion, une rotation et une flexion. Le but étant de se mobiliser et de rester actif. Donc, retirez les impacts et retirez les sauts si ce n'est pas fait pour vous. Le dernier exercice, pompe genou. Donc, on est placé sur les mains, genoux au sol ou jambes tendues. On fait une pompe, un genou, une pompe, l'autre genou. Le but, travailler sur le gainage, les muscles pectoraux, biceps, triceps. C'est extrêmement complet et en plus on fait un crunch lorsque le genou avance. Donc au niveau des abdos, c'est juste formidable. Dans la combinaison, pour les deux répétitions, je vous montre comment enchaîner les quatre exercices pour savoir exactement combien de gestes vous devez effectuer par exercice. Donc sur le premier, pour la planche jack tap épaule, les deux répétitions se décomptent comme ça. Une, deux. Ok ? Le deuxième exercice, squat 180. Un, deux. Troisième exercice, la twist. Le twist avec le tuck jump. Un, deux. Et le dernier exercice, la pompe genou, une et deux, ok? Donc, pour les deux premiers, on est sur des alternés. Pour les deux derniers, chaque répétition compte. Éclatez-vous, donnez-nous vos chronos, faites-nous part de vos sensations, prenez du plaisir et on se dit à très bientôt. Gros bisous la tribu!